Bonjour à vous tous, Jajarok à l'appareil, pour une love mise au point. Certains me suivent et savent, depuis les dernières années, il y a comme un litige puis une confusion avec la compagnie M Pompon et Love Pompon. Moi qui est en love et M Pompon étant cette compagnie bon, qui a des recours collectifs contre elle et on la voit dans les journaux ces derniers temps. Bon, elle veut faillite et c'est ça. Tout ça, c'est parti, en fait, il y a 5 ans. Moi, quand j'ai parti Love Pompon, ça partait, c'était nouveau, c'est un échange de good vibe, partager des pompons entre amis, recycler les matières. Et je m'étais fait approcher par un gars qui voulait embarquer avec moi au niveau marketing. Mais moi, ma compagnie débutait, j'ai comme refusé son offre. J'ai dit, gars, je vais continuer toute seule, tu sais, je commence, puis j'ai du fun, puis je pense que je suis capable de faire un bon bout toute seule pour l'instant, tu sais. Et le gars s'est retourné. Il a acheté mon .com, c'est pour ça que j'ai ilovepompon.com et non lovepompon.com. Il a acheté mon .com et il a reparti la compagnie qui s'appelle M Pompon. M et Love, vous savez, c'est le même mot, hein? On parle anglais, français, tout le monde. Donc, et puis au début, il partageait ça aussi comme son M Pompon, c'était un échange de good vibes, partage ça à tes amis. Yo, exactement comme je vendais mon Love Pompon, je suis venue rouge. Fait que la façon... Moi, j'ai tout trademarké. Pas le pompon nécessairement. On ne peut pas trademarker une boule de poil. Mais j'avais trademarké déjà la façon de le vendre. Que c'était un porte-bonheur, partage de love, infusé d'amour. Vous savez, les valeurs que je lui infuse. Donc, c'était tout trademarké. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de lui envoyer une mise en demeure. Lui demandant de changer la façon de le vendre. Chose qu'ils ont fait. Et puis après ça, ils sont plus allés dans des trucs pour les bébés. Les pompons à tuc. Et en fait, il y a d'autres compagnies qui font des pompons depuis. Puis je les encourage. Ils sont super cool, c'est des Québécois, puis il en faut de la scène compétition, mais eux autres, c'était pas sain. Depuis le début, je le voyais, je disais rien, mais je recevais toujours des « Hey, c'est-tu toi, M? » Je recevais toujours des courriels, puis à chaque fois, depuis les dernières années, qui vont moins bien, « Hey, Janice, on est désolé pour toi, ta compagnie. » Je reçois des inbox, tu sais, je suis comme « C'est pas moi. » Mon point, c'était que ils sèment la confusion dans la tête du consommateur. « M et Love, combien de fois je me suis fait... demander si c'était moi, écoute, c'en était. Et là, les dernières semaines, avec ce qui se passe de leur côté, je reçois encore des messages aujourd'hui. Ah, Janice, on savait pas que ta compagnie allait mal. On est désolé aussi. Ou ça, je reçois des messages quasiment haineux aussi. Qu'est-ce qui arrive avec mes commandes? J'en reviendrai jamais. Je reçois des messages haineux comme c'est pas moi. Donc, je veux pas avoir le rôle de la victime là-dedans. Je voulais justement clarifier avec vous. Et puis. Ça s'appelle karma, vous savez, ces gens-là et qui ont parti M Pompon, ça l'a parti sur une mauvaise intention. C'était un plagiat. Le gars, il a aimé mon idée, il s'est retourné de bord, puis il l'a parti en appelant ça comme moi. Moi, j'ai pas 90 000 likes sur ma page et des montants comme eux parce que moi, au début, comme si vous savez, c'était pour financer ma musique. Moi, c'est tout allé organique, c'était sincère. C'est moi qui l'ai fait. Je suis encore ici en atelier en train de c'est vrai, c'est recyclé. Il y a rien qui vient de la Chine. Je suis ici en atelier. C'est moi qui l'ai fait. Chacun des pompons est recyclé. Je lui mets le petit cœur à l'intérieur. Je lui infuse la Jaja vibe, man, de courage, de force. Pour traverser nos journées. Vous savez, les 10 billes pour respirer. Au début, ils mettaient des billes en plus. Écoute, M Pompon est parti sur du plagiat. Je crois qu'ils ont seulement la monnaie de la pièce, pour faire un drôle de jeu de mots. La monnaie de leur pièce, quand tu n'es pas honnête dans la vie puis que tu passes sur des mauvaises bases, c'est ça, l'effet domino. Il n'est pas toujours le fun. Donc... merci les gens qui continuent d'encourager, qui encourageaient Love Pompon, pas qui continuaient, et qui encourageaient Love Pompon, qui comprenaient aussi la différence entre un Made in China M Pompon et un Real Love fait ici à Montréal par la Jaja Rock que vous connaissez, que vous aimez, et merci aussi de me suivre dans tout ça. J'ai plein de belles choses qui s'en viennent pour moi, de la musique toujours, parce que c'est ça qui est au cœur de mon projet, c'était de faire résonner ma musique, c'est juste... C'est tellement de travail, tout ça. J'ai été toute seule pendant 5 ans. Je commence à accepter du monde dans mon équipe. C'est fou que j'avais besoin des gens de cœur. J'avais besoin des gens qui comprenaient la vibe. Je n'ai pas juste une équipe marketing ou une équipe de vente. Non, 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 ça n'a pas rapport. D'abord, je vais le faire toute seule. Si t'es pas pour me donner ton cœur, puis qu'on catche la vibe. Donc, ma petite équipe grossit, puis je vais continuer de spread the love, des tucs, des pompons, des écussons, toujours en étant dans le mind, peace, love.
puis respect. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut!